Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment passer à l'action et surtout comment mettre de côté tout cet entourage qui va te dissuader de mener à bien tes projets, qu'ils soient personnels, professionnels ou même entrepreneuriaux. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à télécharger mon guide gratuit qui s'appelle Les 5 conseils pour démarrer dans l'immobilier. Sache que tu as également un guide gratuit pour l'expatriation au Canada. Si jamais ça t'intéresse, je te donne quelques conseils pratiques à mettre en œuvre avant d'arriver au Canada. Alors, comment passer à l'action? Comment faire abstraction de toutes ces ondes négatives en fait qui vont t'empêcher de passer à l'action? Tu vas voir que la plupart du temps, quand tu vas vouloir mener un projet, tu as toujours deux ou trois personnes dans ton entourage qui vont essayer de te dissuader. Pourquoi? Parce que soit ils ont peur pour toi, soit ils n'ont pas envie que tu réussisses, soit ils sont jaloux ou je sais pas quoi. Voilà. Bref, tu as toujours ces gens-là qui vont venir essayer de te faire changer d'avis par rapport à ce que tu as envie de faire. Je vais te donner quelques exemples par rapport à ma situation. On va prendre l'exemple de blog et de cette chaîne YouTube. Quand j'ai commencé à vouloir lancer mon blog, tu sais, j'ai commencé un peu à partager ça mais à quelques personnes, etc. Et tu sais, bizarrement, tu avais des personnes, au lieu même de me dire, oh non, mais ça c'est une bonne idée, ou non, moi je t'encourage, etc. Tu en avais quelques-uns qui commençaient à me dire, non, mais pourquoi tu fais ça? Non, mais ça va pas marcher, etc. Ouais, les vidéos et tout. Tu vois, si je m'étais limité à ça, je serais même pas en train de te parler aujourd'hui. Et bizarrement, ces personnes-là qui ont essayé de te dissuader, tu vois, vont revenir vers toi quand tu auras fait le premier pas et que tu vas commencer à avoir des résultats pour te demander, ouais, mais comment tu as fait? Ou bien ils vont te demander des conseils, tu vois. Ces mêmes personnes-là, quand tu vas démarrer, ils vont te dire, ah non, mais ça, la vidéo, c'est pas comme, c'est pas bien, ouais, tu parles pas assez fort ou tu fais des fautes de grammaire et tout et tout. Quand tu veux entreprendre quelque chose, ce ne sera jamais parfait. Là, tu vois mes vidéos, le montage n'est pas parfait. Tu vois, là, la luminosité, il fait nuit, je rentre du boulot, etc. Rien n'est jamais parfait et rien ne sera jamais parfait. Tu vois, c'est le conseil que je donne par exemple en immobilier. Tu vois, tu n'as pas besoin de savoir 100% de la chose pour passer à l'action. Dès que je connais, on va dire 20%, je me jette dans le vide et le reste, on gérera sur le terrain, comme on dit. Tu vois, et c'est vraiment cette mentalité que tu dois avoir, c'est ne pas te soucier en fait de ton entourage et te dire voilà, je tente et au moins j'aurai le mérite d'avoir essayé, tu vois. Pareil, quand je voulais venir au Canada, si je partage avec pareil hein, mes proches et tout, ouais, j'ai envie d'aller au Canada et tout et tout. Là, les personnes qui me sortent, ah non, mais le Canada c'est comme s'il fait moins 100 degrés, les gens sont comme si l'accent québécois tabarnak et tout, enfin. Alors que ces personnes-là sont jamais, ils ont jamais pris l'avion, ils ont traversé l'océan Atlantique. Tu vois, si tu écoutes ce genre de personnes-là, où veux-tu aller en fait, tu vois? Moi, je me suis dit, non, mais ok, ça c'est leur point de vue. J'ai pris mon billet d'avion, je suis venu ici pendant 10 jours, j'ai eu ma propre expérience, j'ai eu mon propre avis, et je me suis dit, non, mais là, c'est un endroit où je me sentirais bien. Je suis pas en train de dire que le Canada, c'est que tout est beau, tout est rose, etc. Il y a des pour et des contre, comme partout en fait. Partout que tu habites en Asie, en Afrique, en Europe, tu as des avantages et des inconvénients partout. Si encore tu écoutes quelqu'un qui a vécu dans un pays, tu peux tirer de son expérience et de son jugement. Mais si quelqu'un te dit de pas y aller alors que cette personne n'a même jamais mis les pieds là-bas, ça sert à quoi de l'écouter cette personne-là, tu vois? Et c'est encore pire si tu écoutes cette personne-là et que tu ne le fais pas parce que finalement, voilà, ça se trouve, tu perds une opportunité, la possibilité de vivre une expérience. Donc vraiment, quand tu vas avoir des personnes qui vont essayer de te dissuader, tu mets un filtre et tu vas vivre l'expérience pour avoir ton propre jugement. Si j'ai commencé à me dire, ouais, je vais commencer à donner des cours de coaching, tu vois, je donne des cours de coaching en immobilier où j'accompagne en fait les personnes qui veulent réussir leur premier investissement ou qui veulent même agrandir leur parc, tout investir à l'étranger parce que moi, c'est ce que je fais, j'investis en France et au Canada, donc je fais des opérations à distance. Voilà, quand j'ai commencé à dire que je veux faire du coaching et tout, tu sais, des personnes qui me disent, non, mais sur quelle expérience tu te bases, t'es pas un professeur et tout, enfin. Tu sais, j'ai commencé à mes premières vidéos, j'ai proposé du coaching. Aujourd'hui, j'ai accompagné une dizaine de personnes qui ont pu réaliser des opérations, voire de très belles opérations. Si j'avais écouté ces personnes-là, tu sais, j'aurais pas eu mon propre retour d'expérience. Ça se trouve, peut-être j'aurais pu dire, ok, là j'ai fait une séance de coaching, ça s'est mal passé. Je vais me dire, ok, peut-être je ne suis pas fait pour ça, mais j'ai fait une, deux, trois séances et j'ai eu de bons retours. Tu vois, donc franchement. Si tu as un objectif,
fait abstraction des personnes négatives. Il y a une citation qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc si tu fréquentes 5 personnes négatives, sache que tu ne passeras jamais à l'action. Si tu fréquentes 5 fumeurs, tu seras le sixième. Si tu côtoies 5 personnes qui t'encouragent, tu vas aller de l'avant. Si tu côtoies 5 personnes qui investissent dans l'immobilier, tu vas investir dans l'immobilier. 5 personnes qui veulent être millionnaires ou qui veulent être indépendants financièrement, tu seras la sixième personne. C'est à toi vraiment de créer ton propre entourage. Il y a des masterminds, il y a des meet-ups, il y a des séminaires, il y a plein de choses. Il y a des coachs. Et c'est à toi d'aller chercher ces informations-là et de les imprégner. Il y a des livres également. Tu sais, j'ai fait une série où je te dis que je lis un livre par semaine pendant un an. C'est un objectif que je me suis fixé. Pareil, il y a des gens ils vont te dire, ah non, mais c'est impossible, tu te prends pour qui, pour machin. Enfin, tu vois, au lieu même de te dire, ouais, c'est bien, parce que finalement, moi, ce que je fais, c'est que je lis des livres, j'en tire ce qui est important pour moi et je le partage avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que tu apportes de la valeur aux gens. Et plus tu vas apporter de la valeur aux gens, plus tu en auras en retour. Je prends le temps de faire des vidéos, je publie une à deux vidéos par semaine et je partage le tout gratuitement à une audience, tu vois. Donc voilà. Le message de cette vidéo, tu sais, j'ai pas structuré la vidéo pour te dire que c'est pas obligé d'être prêt pour faire quelque chose. Tu sais, je me suis levé ce matin, je me suis dit, ok, il faut que je fasse une vidéo. J'ai une journée surchargée au boulot, mais je me suis dit quand même, je fais quand même cette vidéo. Je sais qu'elle sera pas parfaite, peut-être qu'elle aura moins de vues que d'habitude, mais tu vois, je me suis dit, ok, j'ai une petite idée de ce que j'ai envie de dire. Je mets la caméra, je tourne. Je suis arrivé, j'ai un bureau en bas de chez moi. Je suis même pas monté pour me changer direct. J'ai pris la caméra et j'ai tourné cette vidéo. C'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Je t'invite également à mettre un commentaire en dessous si jamais tu as eu des expériences de personnes qui t'ont empêché de passer à l'action ou qui ont essayé de t'empêcher de passer à l'action. Partage avec tout le monde. La communauté s'agrandit. Ici, on est là pour partager, apporter de la valeur à tout le monde. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.